l'intérieur, c'est bon, tu vas les voir arriver de loin. Et là, ça va? Non. Voilà. Il est cassé, ton truc. Oui, oui. La barre, là. Ouais. C'est bon? Et là, mais là, il faut un peu... Allez, je vois trop la voiture, là. L'autre voiture. La voiture. Plus la voiture comme ça. Non mais c'est bien. Non mais. Du moment que tu vois derrière, c'est bon. T'inquiète pas, tu vas regarder devant surtout. On regarde très peu derrière. C'est aux autres de derrière, fais attention, toi tu es juste à ne pas changer de ligne quand tu vois quelqu'un. Enfin, tu fais pas de zigzag. Tu me dis. Tu hein. restes sur ta trajectoire mais, et tu ne changes pas de côté. Tu me dis hein, comment tu fais. Je te dis, tu vas pas m'entendre, hein? Si, si, je t'entendrai. J'irai. Oui, il est là, il est pas fait. Ah bah, mais. Ça me stresse. C'est normal. Moi, quand j'ai repris la première fois avec cette voiture-là, j'étais complètement stressé. Au bout de quelques tours, ça va. Tu veux que je te dise quoi alors? Comment tu fais? Première, deuxième? Ouais, bah, la première, deuxième. C'est comme ta voiture. Non, mais. Okay. Après. T'as regardé un peu les trajectoires, tu vois à peu près comment on peut faire. Je vais pas te faire un court pilotage, je vais être obligé de gueuler. On va fermer les vitres. Donc tu vas là-bas, là où il y a la flèche bleue là-bas. L'embrayage il est sec, donc tu vas à gauche là-bas. Ceux qui sortent, ils sortent. On va mettre les parkings. Oui, oui, il est dur, mais dès que tu roules, tu vois, ça va très bien. Ah, attends, ah, bah, c'est rouge. Ah merde. Ah, ils ont. Il y a un problème. Il y a une voiture en panne. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là quand même? Ouais, bon, bah, je vais en profiter pour t'expliquer. Alors, il va aller la chercher. Donc, en fait. Une fois que tu es lancé, ça sera. Une fois que tu auras pris un certain rythme, les rapports, ce sera toujours 3e, 4e, 5e. Mais les virages, ils se passent en 3e. Et 5e, c'est là, tac, tac. Ouais, c'est là. Bon, c'est un petit peu dur, tu verras, mais ça va très bien quand même à passer. Ça passe. Ah, bah, vas-y, avance. Avance quoi? Avance. La porte, il fait chaud. Tu l'ouvres à 45 degrés comme ça. Le temps qu'on les aille chercher. Ah, bah, c'est la 205 à Vincent. En fait, pour les trajectoires, tu essayes de suivre les cônes. Tu as des cônes. Okay. Quand tu as un virage, tu commences par faire extérieur, intérieur et extérieur. Tu essaies de tendre la trajectoire. Je vais pas te montrer tout de suite au début. Tu vas voir comment sont faits les virages. Et le but, c'est de tendre la trajectoire au maximum. Donc, c'est pas le plus important pour l'instant. Le plus important, c'est la position des mains sur le volant. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Donc, quand tu tournes, tu tires le volant comme ça. Voilà, tu tires avec la. Si tu veux tourner à droite, tu tires avec la main droite. Si tu veux aller à la gauche, tu tires avec la main gauche. Si le virage est serré, tu vas le chercher plus loin. Et après, tu aides avec l'autre main pour finir. Mais toujours les mains opposées, le plus possible. Jamais comme ça, jamais comme ça. Ne jamais tourner en poussant le volant comme on fait en ville, tu sais. Jamais la main à l'intérieur. Et la position normale, c'est 9h15. À l'électro-école, on dit 10h10, mais là, c'est 9h15. Toujours les mains opposées pour être prêt à, éventuellement, si la voiture, elle part, à pouvoir te rebraquer rapidement. Après, tu la sens mieux comme ça. Ne pas se pencher, ça sert à rien. On va être bien calé dans le siège. Quand on freine, le pied gauche, il est toujours sur le repose-pied. C'est le repose-pied qui retient tout ton corps, en fait, quand tu freines. C'est pas le pied droit qui va te caler. Tu te cales avec... Voilà. Et bien sûr, quand tu débrayes, tu débrayes tout de suite. Dès que tu n'utilises plus l'embrayage, tu te remets le pied tout le temps sur la... Ça te cale en toutes circonstances. Tu te cales avec les mains, les épaules, mais, le bassin et le pied gauche. Ça sert à bien te caler dans la voiture. Ah, c'est vert, c'est un petit peu... Vas-y, vas-y. Là,
tu vas voir, ça va, tu vas plus y penser après. Ah, coucou, coucou. Ouais, c'est bon, non, il n'y a personne, c'est tout, tu peux y aller. Donc là, tu restes bien à gauche. Bien, on est droit. Tu restes à gauche jusqu'au panneau 50. Thank you.
continue, après on se remet dans la file. Ouais. On va se remettre par là. Il va juste remettre les cônes comme il faut. Non, mais pas là, tu te remets au début de la file. Non, parce que l'autre il est sorti, donc il a déplacé les cônes, donc il faut qu'il remette les cônes. C'est pas des cônes de trajectoire, il a expliqué ce matin, c'est des cônes pour pas aller sur la Terre justement. Mais l'autre il a fait un tête à queue et il n'a pas pu éviter. Ça va pas rester longtemps arrêté. C'est bien, hein. Par contre, à la sortie du virage, il faut bien que tu retournes à l'extérieur. Tu vois, quand tu penses à aller à l'intérieur du virage, au milieu du virage, après tu ressors à l'extérieur. Parce que quand tu vas aller de plus en plus vite, ça deviendra nécessaire. Donc il faut que tu prennes, même si tu vas lentement, faut que tu prennes l'habitude de faire ça. Et là, au rythme où tu vas actuellement, tu n'as pas besoin de freiner beaucoup parce que tu vas pas vite. Mais quand tu vas aller de plus en plus vite, progressivement, tu verras, tu vas le sentir de plus en plus. Là, il faudra freiner de plus en plus. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin. Quand je te dis, quand tu sens qu'il n'y a pas besoin de freiner, elle tombe très très bien. Même si tu oublies, même si tu freines un peu trop tard, elle pivote super bien. Tu sens qu'elle tient bien quand même? Oui, oui. Tu me dis quand même, hein? Oui. Bah là, maintenant, je vais parler de moins en moins. Hein. Ah non. Ah bon, d'accord. Alors moi, je te dis, va à droite ou à gauche, mais s'il y a quelqu'un, tu bouges pas. Moi, je vois pas les gens derrière. Donc moi, je te dis ce qu'on va faire. Après, si tu peux pas le faire, tu le fais pas. Voilà. Après, moi, je te dis rien. S'il y a quelqu'un, tu continues à faire comme tu faisais là, c'est très bien. Non, non.
ça. Là, tu passes la 3. Que ça me ciment au rythme que tu vas, hein. Reste sur la piste.
pas de freiner surtout. Sur la route, ce serait vachement vite déjà. Mais là, on se rend pas compte. Reste bien à droite, il y a encore du vent. Attention à la terre. Hein ? Tu peux arrêter ? Ouais, d'accord. Freiner quand il faut, hein. À gauche. Attention, hein, parce que... Ah oui, c'est comme ça. Jamais les mains comme ça. Ah, c'est bien, hein. Vas-y, va là-bas. Dans tous les cas, il faut rentrer. Sauf si là, si on rentre. Qu'est-ce que tu fais ? Je rentre pas à toute vitesse. Vas-y. Attention, t'es en marche arrière. Marche avant si tu veux, comme tu veux. Ou en marche arrière, c'est là-bas. Mais Romy, elle était dans la voiture tout à l'heure. Du coup, la marche arrière, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est là. Bah oui, tu sais la faire. Hein. Tu veux remonter avec moi ? Alors ? Ouais, ça va bien, hein. À la fin, comment ça allait bien, hein. Ouais. C'est fatigant, hein. C'est crevant, hein. Bon, bah, j'emmène ta fille. Ah, bien. Bon, bah, nous, on va refaire... Bah, on... Bah, fais avec Nico, C'était bien dans la golf ? Eh ben, je vais emmener Nico maintenant, alors. Du coup, comme ça, ils seront... Qui c'est qui a fait de la golf ? Ben, Romy, t'étais dans la golf, c'était bien ?